Salut les amis, salut tout le monde, et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Afrique éveillée. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Burkina Faso où nous avons une nouvelle folle rumeur sur une tentative de coup d'état perpétrée au Burkina Faso. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Burkina Faso, une folle rumeur de tentative et de coup d'état s'est emparée de la ville de Ouagadougou dans la nuit d'hier, mardi 26 septembre 2023. Des milliers de jeunes étaient sortis pour se rassembler à l'emblématique place des Nations pour, en dit-il, faire échec à un coup d'état dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. À 20h, déjà la foule grossissait. À 22h, il y avait du monde à la place des Nations et toutes les rues étaient quasi animées tant de soutien aux chefs de l'État étaient présentes et regagnaient leur lieu de rassemblement. Le fameux putsch dont l'annonce a été faite par Dame Rumeur n'était pas vraiment rumeur et infondée. Difficile cependant de savoir où est partie cette information qui a emballé des milliers de personnes dans la nuit d'hier et qui a perturbé le sommeil de bien des Burkinabés. Selon certains manifestants, c'est grâce au système de renseignement que la nouvelle s'est propagée. Nous n'en saurons pas davantage. Autant certains soutiens du président de la transition l'ont ainsi dit, autant nous n'avons pas pour l'instant des informations de sources fiables pour nous dire ce qui en a été. Mais de plus en plus de telles annonces sont faites. Le président de la transition avait lui-même évoqué une fois le sujet lors de ses émissions à la télévision nationale le 4 mai 2023. Toutes les autres fois, ce sont les informations qui ont fui. Ce sont des annonces, ce sont des rumeurs, généralement en Afrique. Le président du Burkina Faso, il n'y a pas fumée sans feu, qui allume donc le feu ou qui tente d'allumer le feu. Souhaitons qu'une suite soit donnée à toutes ces informations relatives à la tentative de coup d'état pour tranquilliser les populations. En attendant, restons focus à la lutte contre le terrorisme. Et bien les amis, c'était tout ce qui était pour notre petite note informative, car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur notre petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis, bye bye.